commence à avoir du mal à vous supporter, vous. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, que je suis heureux, Christine, tu peux pas savoir. Garçon! Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, vous connaissez ce garçon, monsieur Raffin? Qui êtes-vous? Son père. Son père? Mais il a combien de pères, ce gosse? Réponds seulement à une question. Quel est le père de cet enfant? C'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils. Comment ça, tu sais pas qui est le père? De quel droit vous me défilez mes affaires? À quel droit? Parce que c'est ton père! Mon fils! Salut les jeunes! Ça gaz? Je peux te parler une seconde? Alors, on ne chahute pas. Tu veux boire quelque chose? J'ai dit on ne chahute pas. C'est pas comme ça, Pignon. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Mais dis donc, Pepper. Voilà. Deux types avec des rasoirs. Dans les toilettes. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Elle est belle, cette voiture. C'est ma folie, ça. Elle est neuve. Je l'ai prise pour la rôder, c'est une BM. Je l'aurais prise en gris métallisé, moi. Moi pas. Oh merde, la BM. Si je retrouve les types qui ont fait ça, je les tue. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux. Alors maintenant, on rentre ou je vais me fâcher. Je veux pas partir avec eux, je les connais pas. Non, permettez, qui êtes-vous exactement? Eh bien, voilà, docteur. Il y a bien longtemps, la maman de ce jeune homme, qui était elle-même une toute jeune fille... Bon, ça va, je suis son oncle. Bon, si. C'est vrai? Je vous le jure sur la tête de mes trois pères! Ah, il est bien, votre fils.